Et bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon, de retour pour un nouvel épisode de Treasure of the Deep. On est reparti, après avoir fait une petite visite dans la grande barrière de corail à côté de l'Australie. Et j'ai de la chance de ne pas rencontrer de poulpes à nos bleus, les plus mortelles créatures marines du monde, à l'une des créatures marines les plus mortelles du monde. Et on est parti pour un peu plus au nord du Pacifique. On va partir au Japon. Enfin, la mer du Japon. Sauvetage du Maru. Ça va être une mission assez compliquée parce que on va le faire en deux temps. La première, ça va être une destruction. La deuxième, ça va être un sauvetage. Vous allez comprendre pourquoi. Pour se venger de la destruction de son usine, Simon Black s'est emparé du Maru. Un laboratoire sous-marin situé à 80 km des côtes nippones. Black a pris en otage l'équipe du Maru et déclenche des tremblements de terre sous-marins. Ton objectif est de détruire les activateurs sismiques de Black et de libérer les otages en détruisant les chaînes sous les nacelles. Hey, il s'est fait plaisir l'enfoiré. Il a récupéré un laboratoire rien que pour sa gueule. Dans cette mission-là, comme je l'ai dit, la première, ce sera de détruire les générateurs sismiques pour ensuite libérer les otages. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour leur donner à manger ces pauvres japonais, vu qu'ils sont dans des nacelles. Cependant, j'ignore totalement s'ils ont une grande capacité de réserve d'oxygène pour survivre. Parce que quand même, c'est des otages, il faut bien retenir pour survivre. Mince, je suis parti pour aller au sous-marin par réflexe. Bon, ça me permettra de voir ce que j'ai combien d'argent. Parce que je vais avec certitude, je vais aller chercher le Nautilus. Ah, il me reste environ 1 million de pièces d'or. Et les avoir dans cette mission, ce sera quasiment impossible. Je serai obligé de faire du farming en off. Mais ce sera pas mal d'aller chercher, ça c'est sûr. Excusez-moi, je regarde un petit peu. Défaut blindage, 100 points d'impact. Hyper, 80 points d'attaque. 150. Ouais, il m'en faudrait 2 millions de plus, mais c'est quasiment impossible. Sous-marins au total pour aller vraiment dans les profondeurs abyssales. Le Nautilus, ça va être ma priorité. Oh la vache. Alors, le ROV, non. L'équipe MED, si. Oh la vache. Je vais aller prendre tout de suite la combinaison auquel j'en aurai besoin pour les futures missions. La combinaison sèche avec Nitrox. Pour une protection thermique et à conditions climatiques extrêmes. Il sera obligatoirement... Et on va m'obliger à le prendre en réalité. Donc je l'achète tout de suite, comme ça je n'aurai pas de problème à l'avenir. Et je vous avais aussi promis que je devais... montrer le Sonic, la torpille Sonic, et ben on va en acheter un encore et vous le montrer pour cette mission justement, en espérant que je ne frappe pas un massacre d'animaux sauvages et protégés. Là c'est bon, ici niveau filet ça va, torpille aussi. Prochainement je me financerai sur les missiles téléguidés. Je vais en avoir grave besoin parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que les torpilles normaux, voire même deux fois plus. Et le problème, c'est qu'ils coûtent cher. Mais bon, bref, on est parti. Détruire les générateurs sismiques et détruire les chaînes des capsules et capsules d'otages. Détruit les activateurs sismiques jaunes. Direct lancé.
maison. Avertissement. Un nouveau sous-marin. Et qui balance des mines. Et comme vous avez pu le remarquer aussi, j'ai détruit aussi un intersismique. Et tant que j'en détruis pas assez rapidement, bah, malheureusement, que j'ai. Alors, que je me rappelle où se trouve le secret. Avertissement. Tremblement de terre. Aïe. Ah, je crois que c'est par là. D'ailleurs. Voilà notre. On a trouvé une mystérieuse plaque grecque. Merci. Pendant les
c'est dans merci. J'aurais bien aimé ça. Bon, sortons de là maintenant et on va faire notre mission. Eh, c'est des fourmes en plus, hein. Il y avait un ennemi qui tremblement de terre. Protégeait le secteur. Des chercheurs qui a dû être pris comme exemple. Ah non, crétin. Celle-là. Thank you.
attrape les cadavres des chercheurs japonais. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir des personnes aux commandes de cette base. Non, mais c'est pas mal non plus, hein, ce qu'on a là.
il y avait un autre sous-marin, je viens de le remarquer à la mini-carte de mon sonar, en fait. Et j'ai pas voulu l'affronter avec le peu de PV qui me reste. Hiver, moins 23 000. Pourquoi ? Pourquoi moins 23 000 ? D'accord. Activateur, il y en avait 24, j'en ai détruit 5. Nacelle, il y en avait 19. Je les ai tous libérés pour 20 000. Et les chercheurs qu'il y avait dans le secteur, j'en ai sauvé 8. Et 2500 en plus. Ouais, je suis dans le classement. Et j'ai eu le secret aussi. Et voilà, il ne me reste plus que 3 morceaux de la plaque. Et ce sont les 3 derniers niveaux de base à faire. Et après, on pourra peut-être s'attaquer au secret final. Mais ce sera dans le prochain épisode pour la suite. Et bien plus tard pour faire le secret du jeu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, c'était le Caméléon dans Treasure of the Deep. Ciao, bye. Un petit peu de sushi moi ce soir.